Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Alors vous venez de le voir, on a commencé l'émission un peu différemment avec cet extrait de Lady, un tube qui a cartonné dans le monde entier en 2000. Alors tout le monde dansait là-dessus, Ibiza, Tokyo, Paris, Genève. Tout le monde a dansé là-dessus, c'est un single qui a été donc vendu à plus de 2,5 millions d'exemplaires. Et ce soir, nous avons le plaisir d'avoir Yann Destal en plateau, qui a un petit peu participé à cette aventure, avec le groupe Bonjour. Mojo. Mmh. Voilà, alors vous allez nous raconter un petit peu ce qui vous est tombé sur le coin de la figure. Et puis surtout, ça nous intéresse un peu plus ici après, la rencontre que vous avez pu faire avec Dieu quelques années plus tard. Donc vous allez pouvoir nous parler un peu de cette quête, de cette rencontre. Mais juste avant, on va vous écouter nous chanter quelque chose. D'accord, c'est parti. Je me fous du monde. C'est triste, mais je veux pas mourir. Toujours mon âge, mais au moins je sais en rire. Alors les gens gras, ils me demandent jamais mon avis, mais je le donne quand même. Et je dis que même le plus triste de tous vos soucis n'empêchera rien à mon sourire. Si tu le regardes vu d'en haut, c'est pour ça qu'on se fout du monde, pour ne pas tomber de là-haut. C'est triste, mais je veux pas mourir. Je me fous du monde. Je suis libre, je me fous du monde. C'est juste que je veux pas mourir. Alors, je me fous du monde. Je suis libre. Merci Yann. Je vous laisse reposer votre guitare. Ah. Alors, quelle est l'histoire de cette chanson? D'où elle vient? C'est une chanson que j'étais content de vous jouer parce que je l'ai jamais. Elle n'est pas sortie, enfin, elle n'existe pas encore vraiment. Et je l'ai jouée très rarement. Enfin, je l'ai un peu sortie du placard. Elle précède, c'était avant ma conversion. Mmh. C'est quelque chose que je contemple avec, souvent avec joie et avec étonnement, de voir que les textes et les chansons que j'ai écrits avant ma conversion, comme presque on pourrait dire préfiguraient la venue de la foi dans ma vie, avant qu'elle arrive vraiment, avant que la foi catholique arrive. Auteur, compositeur, interprète? Voilà, et puis, et donc de quoi part cette chanson? C'est un petit peu ce détachement du monde. Qui est très dur à vivre quand on n'a pas encore Jésus dans sa vie. Mmh. Si on se sent un peu isolé, etc., puis on ne comprend pas pourquoi on ne correspond pas exactement au monde. C'est-à-dire, j'avais déjà une espèce d'appel spirituel, mais je ne pouvais pas mettre les mots dessus encore. Et du coup, je me rendais compte que les plus beaux moments de ma vie étaient ceux dont on pouvait dire « mais il se fout du monde, celui-là », etc. C'est-à-dire qu'il sort un peu de la manière, de la logique du monde. Mmh. Et puis il y a tout un jeu de mots là-dessus, c'est-à-dire qu'en même temps on devient un fou du monde, c'est-à-dire on aime le monde, on se met à l'aimer complètement, on devient un fou du monde, c'est-à-dire on se dit celui-là il est complètement à côté de la plaque. Et puis il y a cette expression
qui dit voilà, oh, tu te fous du monde, c'est-à-dire, oh, mais t'es pas bien dans les rails du monde. Et voilà, ça fait partie de ces chansons. En les revisitant une fois que la foi catholique est venue, je me dis, ah, c'est fou, je souscris à tout ce qui est dit dedans. Quoi. Vous aviez quel âge ? Là, c'était. Donc, c'était après Mojo, je devais avoir 30 ans, quelque chose comme ça. Quoi. C'est, vous ressentez encore cette inspiration pour des musiques un petit peu de ce genre-là, avec toujours cette tension un petit peu entre ce que vous êtes aujourd'hui et le monde ? Ouais, j'ai l'impression que, enfin en tout cas aujourd'hui, je ne sais pas ce que ce sera demain, mais j'ai l'impression que mon ministère, comme on peut appeler ça, c'est-à-dire le sens que peut-être a voulu Dieu dans mon rôle un peu dans toute l'histoire de pour donner du sens à ma vie par rapport à ce sujet. En tout cas en ce moment, vu que ma conversion est relativement récente hein, à la religion catholique, c'est il y a 3-4 ans, quoi. Et ben c'est de faire un pont entre les personnes qui vivent sans Jésus, oui. qui vivent sans cette présence ou sans cette connaissance, hein, et la foi. J'aime beaucoup m'adresser en fait à ces gens qui, au départ, bah, parce que c'est le monde dans lequel j'ai vécu toute ma vie, hein, qui vont dire ah bon toi tu crois, ah bon, et puis qui prennent ça un petit peu de haut, ou alors qui se disent ah ouais c'est un peu farfelu, qu'est-ce que c'est cette histoire. Et j'aime les appréhender pour justement un petit peu les déstabiliser là-dedans, quoi. Leur dire non, ça tient vraiment la route, c'est la vérité. Alors évidemment, pas avec. Si on dit ces mots-là, ils trouvent ça trop arrogant. Donc il faut y aller un peu doucement, mais montrer que c'est déjà que c'est pertinent et que ça apporte la paix et que c'est effectivement que c'est la vérité. Quoi. Et que vous en vivez. Bien sûr. Après, ça colore toute la vie et tout ça. Hein. Je sais que. Enfin, moi, il y a tellement de choses à en dire, mais du coup, voilà, peut-être mon ministère, c'est m'adresser un peu aux athées. Alors racontez-nous un peu comment vous êtes tombé dedans. Parce qu'au départ, vous êtes dans une famille bon, de culture chrétienne comme beaucoup en France, avec, on va dire que dans votre famille, ça ne pratiquait pas, ça ne croyait pas trop, c'était un peu indifférent. Puis il y avait peut-être une autre partie qui, elle, en revanche, était un peu contre. Ouais, c'était un cas d'école, hein, vraiment rien d'original de ce sujet-là. Je sais que c'est beaucoup de gens comme ça, en tout cas autour de moi, c'est que ça. Mmh. Bah, c'est la génération un peu des baby-boomers qui sont empreints de culture catholique, mais qui ont un rejet pour l'Église. Et donc c'est un peu ça. Puis d'ailleurs, quand ils me racontent, quand je discute avec eux, j'arrive à comprendre, parce que bah, peut-être qu'à cette époque-là, bon, j'y étais pas, hein, donc je peux pas savoir, mais de ce qu'ils me disent, il y avait peut-être une église un petit peu trop austère, qui était pas attirante, qui était pas séduisante, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qui donnait pas envie, quoi. Il y avait le côté très moraliste. Ouais, voilà, peut-être on sentait toujours en défaut, toujours en péché, ou. Ouais, voilà, qui prêchait un peu par la menace de la damnation, quoi. Ou je sais pas dans quelle mesure c'était vrai ou pas, dans quelle mesure leur époque de libération et de jouissance matérielle aussi, quand même. Bon, c'est un vaste sujet. Mais du coup, il y avait quand même la génération des grands-parents. Voilà, les grands-parents. Ils n'ont pas abandonné la foi, mais les grands-parents, un peu comme surtout le sujet aussi, se sont fait discrets, ils se sont effacés hein, par rapport à leurs enfants. Mmh. Ils se sont dit, bon, ok, on me remet dans le placard, bah, je me mets dans le placard et puis j'attends. Et maintenant, c'est nous, les petits-fils, qui disaient, mais mamie, ça, c'était joli en fait, ça, c'est qui ? Et puis qui nous donnent après des lectures, des choses comme ça, et qui font ce pont. Donc du coup, moi, j'ai le sentiment d'avoir bénéficié d'une grâce. C'est-à-dire de n'avoir jamais connu l'athéisme, le vrai athéisme. Comme des gens vraiment le vivent, je sais, ils pensent vraiment qu'il n'y a rien, ils se préparent vraiment à une mort où c'est terminé. Et je n'ai jamais vécu ça, et je ne savais pas pourquoi, mais je disais, voilà, je crois en Dieu, je crois qu'il est là, etc. Et c'est que bien plus tard, donc il y a quelques années, que je suis sorti de cette paresse, et je me suis dit, mais qui est le Dieu en lequel je crois depuis tout ce temps ? Ce regard... Et j'ai reconnu. Il y avait le côté bonne étoile quand même qui vous accompagnait un petit peu dans ouais, la jeunesse. Oui, c'est un peu le Dieu anonyme. Et on ne sait pas qui il est, mais on sait qu'il est bon. Disons qu'après, quand j'ai découvert ce que disait la foi catholique, j'ai dit c'est lui, je le reconnais. Qu'est-ce qui vous a amené à cette rencontre, alors que vous allez nous raconter, mais parce que là, si on ressonge par exemple à ce succès en 2000, là où. La musique fait que tout d'un coup, vous vous retrouvez porté au sommet. Il y en a beaucoup qui perdent la tête là-dedans. Et puis, je n'ai pas le souvenir que Dieu soit très présent dans cet univers-là. Et notamment, quand ça réussit comme ça, on se dit, bon, ben, hey, ça réussit, c'est grâce à moi, c'est grâce au groupe. Enfin, il y a des gens qui perdent la tête. Comment ça se fait que vous n'ayez pas perdu la vôtre ? Je pense que j'ai déjà été protégé par un aspect qui est que ce groupe, ce n'était pas mon style de musique de prédilection.
Donc quand ça marchait à fond, j'avais un petit peu cette grande joie, on est très content et tout. Mais je savais que tôt ou tard, les chansons entre guillemets de mon cœur qui sortent spontanément, je les mettrais de côté un instant parce que c'était très, comme vous avez pu, c'est électro, c'est. Je suis très content de cette chanson et je l'entends toujours avec grand plaisir. Je trouve que c'est vraiment une bonne chanson, donc je dis pas du tout que c'est un truc que je faisais comme ça avec cynisme. On faisait vraiment du mieux possible et je suis très content de cette chanson. Mais du coup, j'attendais, parce que vous voyez ce que je joue là, j'allais pas mettre cette chanson-là au milieu de l'album. Donc c'était. Du coup, je m'identifiais pas personnellement au truc, donc peut-être que ça a mis comme une espèce de tampon pour ça. Et puis après, je vous dis, la présence de. Je savais que Dieu existait, donc je savais que. Rien que ça. On sait que du coup, il y a une espèce de. L'humilité, si on l'abandonne complètement, on est à côté de la plaque. Et que ça peut être dangereux. Puis aussi, il y avait un truc, je pense que c'était aussi un cadeau. Hein. J'étais pas attiré par. Parce que c'est vrai que. Des fois, j'en rencontre encore des gars de cette époque-là et tout. Ils me racontent des anecdotes où je me dis waouh, ils sont allés. Mais tellement loin, j'ai l'impression de voir le fils prodigue quand il. Avant qu'il revienne, quoi. Mais c'est tellement loin que même moi, qui pourtant j'ai vu, là je me dis waouh, mais en fait c'est choquant, quoi. Vous avez beaucoup échappé de malheur, à tout ça. Du coup j'y ai échappé. Je pense que moitié j'étais pas très très attiré. J'étais un peu mal à l'aise dans ces milieux un peu trop mondains et tout. J'essayais d'être là, j'étais poli et tout. On était invité là, j'y allais là et tout. Mais une fois que je rentrais chez moi, je soufflais parce que j'étais naturellement pas très à l'aise dedans. J'étais protégé quand même, je pense. Qu'est-ce qui vous a amené à cette rencontre? C'est des personnes, des lectures? Parce qu'on sent bien cette soif, cette assurance qu'il y a quelqu'un. Mais il y a une rencontre à un moment, comment elle s'est faite? Il y avait donc j'avais toujours une sympathie pour Jésus, un peu de loin et tout. Ma maman quand même s'y intéressait. Elle est sur un autre chemin. Elle est un peu plus en mode les apocryphes, les choses comme ça et tout. Parce que l'Église, de toute façon, c'est des méchants. Hein, donc c'est comme ça. Et donc si on valide Jésus, c'est d'accord, mais c'est hors de l'Église. Hein, c'est marrant, on discute tout le temps de ces sujets-là ensemble. Et à un moment, elle m'a dit, t'es quoi? T'es protestant? T'es catholique? Parce que je commençais à découvrir un peu Jésus. C'est grâce à Internet, en fait. Je remonte un peu. C'est grâce à Internet. À un moment, j'ai vu une joute verbale par commentaire interposé de gens entre eux. Et je crois que c'était quelqu'un qui disait un musulman qui disait, mais non, le musulman, il disait, mais oui, mais nous aussi, on adore Jésus, on adore Marie. Il lui disait, oui, mais vous dépouillez Jésus de sa divinité. Et par là, vous anéantissez en fait notre foi. Si Jésus n'est pas Dieu, tout ça n'a plus de sens en fait. C'est juste un mec très bien. Je sais pas si vous vous rendez compte, l'ignorance qu'ont les gens et que j'avais aussi. J'ai dit comment ça, Jésus, Dieu? Et j'étais sidéré. Et ça m'a fait comme tout un puzzle où je me suis dit, mais attends, mais c'est une folie, c'est incroyable. Jésus serait Dieu, mais oui, fait homme. C'est ça que ça veut dire cette phrase. C'était tout à coup, j'ai compris plein de choses. Et du coup, je parlais de Jésus. Ma maman m'a dit, alors t'es quoi? T'es protestant? T'es catholique, etc. J'ai cherché sur Internet et j'ai vu que j'étais catholique. Je l'ai constaté, en fait. C'était déjà le cas avant de le voir. Vous voyez un moment précis où là, tout d'un coup, il y a cette certitude qui est là, où c'est tranquillement. Un peu plus chaque jour. C'est peut-être quand elle m'a posé cette question et j'ai regardé derrière, j'ai écouté des protestants et tout de suite, j'ai dit, non. Après, des protestants, ils ont un milliard d'églises. Mais peu importe, non, c'est pas là. Marie, beauté de la foi catholique. Ça ne suffit pas, cette rencontre, ou ce moment où, ça y est, ok, on a compris, c'est sûr, ça a tout de suite une action dans sa vie, la fameuse conversion. Il y a des choses à changer dans sa vie pour essayer de plus répondre à cet amour divin. Ça a été difficile pour vous de rentrer dans ce chemin? Ça a été une joie, mais ça a été difficile aussi, c'est des combats. Alors, comme je vous disais, mon univers n'est pas croyant, ou très peu, ou alors vraiment, comme ça. Il fallait tout rebousquer, tout updater, tout prévenir. Déjà arrivé avec une petite croix, tiens, qu'est-ce que c'est ça? Enfin, tous ces trucs-là, au départ, on a le trac.
Et beaucoup de discussions et tout. Puis en plus, quand on a une conversion, je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens. Il y a une espèce de zèle que j'essaie de garder aussi longtemps que possible. Hein. Je prie beaucoup pour la... Tout de suite, j'ai prié pour la constance. Que ce soit pas, je dis, mais je veux surtout pas que dans 3 ans, je dise, ah, tu te rappelles quand on était catholique et tout. Non, c'est pour toujours, ça. Et donc, il y avait ce zèle qui faisait que, peut-être même que j'ai un peu saoulé les gens autour de moi. Pour, Et aussi, étant dans cet univers, entre guillemets, presque hostile à la fois, j'ai eu besoin de me former en argumentaire. Il y a des gens qui ont une foi qui est très belle, très naturelle. Moi, il fallait que je me forme pour, en apologétique, ou je ne sais pas comment on dit ça, mais pour pouvoir réfuter celui qui me dise « Mais non, mais c'est stupide, la science a prouvé que… » et qui me… qui va se passer pour un imbécile. Bah, sur Internet. Et j'écoutais tout le temps les choses, tout le temps les trucs. Je regardais des débats. Mais aussi, j'apprenais la foi, le catéchisme, etc. Puis avec ma femme aussi, qui, miraculeusement, on n'a pas le temps d'en parler, mais qui a aussi sa conversion dans la foulée, très peu de temps après. Du coup, au départ, elle voyait un peu ce truc-là. Elle voyait que je lisais des choses, des trucs, entre guillemets, philosophiques, chrétiens. Ben Yann, qu'est-ce qui t'arrive? Non, mais j'étais prudent, donc je ne voulais pas la choquer là-dessus, parce que je me disais, alors là, s'il y a une friction là-dessus, c'est vraiment dangereux. Oui. Et pour elle et pour moi. Mais quand je voyais quelque chose de vraiment beau et qu'un humain athée pouvait prendre pour lui dans sa philosophie de vie, parce que c'est bourré de ça, c'est de tout ça, je lui en parlais, elle disait, ah, c'est beau. Et un jour, on a regardé Jésus de Nazareth, le film. Vraiment, je résume aussi que possible, et elle a... on a regardé Ben-Hur, et elle a dit, mais c'est qui Jésus? Parce que dans Ben-Hur, il y a Jésus. Elle dit, mais c'est qui Jésus? J'y connais rien. Et je me suis dit, waouh, moment crucial. Eh bien, on va regarder sur Internet si quelqu'un en parle, parce que moi, j'ai peur de donner une réponse qui ne soit pas efficace. On va regarder ensemble. On a vu le film Jésus de Nazareth de Zeffirelli. Et à la fin du film, elle était conquise par Jésus, amoureuse de Jésus. Et en fait, elle est allée on se tire l'un à l'autre. Super, c'est un beau cadeau, ça, de marcher ensemble. C'est non seulement un beau cadeau, c'est un cadeau miraculeux, et je ne peux pas en estimer la valeur. Et surtout, si ce n'était pas le cas, je ne serais pas à la moitié du chemin de foi que je fais aujourd'hui. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tous les matins, ce matin encore, on parle toujours de ça. Le matin, le soir, on prend au moins une heure. On est là à parler de tous les sujets du monde, revisités sous le regard de la foi, sous le regard de Dieu. On cherche, et en parlant ensemble, du coup, on grandit ces choses-là. On prie aussi ensemble. On s'est engagé aussi dans un truc, le Sainte Brigitte, je ne sais pas si vous connaissez, c'est capital. Ça dit, on récite en fait 7 Pater, 7 Ave Maria, et puis avec des textes entre. Ça prend un quart d'heure. Si on fait ça pendant 12 années, il nous est promis quelques récompenses, etc. Mais ce n'est même pas tant pour les récompenses. Non, c'est un moyen d'être fidèle. Ça nous maintient dans un rythme où on prie tous les jours au moins 15 minutes. Et c'est tous les jours pendant 12 ans. Il ne faut pas qu'on manque. On manque pas. Si un jour, on dit « Oh, le Sainte Brigitte !» Et puis les 4 heures du matin, il n'y a pas de tant pis. On le fait. Est-ce que ça a une influence sur votre musique? Ben, ça a revisité tout, même. Alors, oui et non, parce qu'en fait, comme je vous disais, j'ai jamais écrit de morceaux qui étaient, dont je puisse avoir, me dire, oh là, c'est l'époque où je sortais, où je faisais la fête, ou je sais pas quoi. Dans tous les morceaux, je retrouve la trace du Dieu qui m'était encore anonyme, mais qui était déjà le Père, qui était déjà le Dieu Trinité. Mais aujourd'hui, vous écrivez des musiques où vous en parlez directement, ou plus d'une manière... vous adressez à lui, ou bien c'est plus sur le côté, sur ce que vous ressentez, ce que vous voyez, c'est... De quoi parle-t-on de vos musiques? J'essaie d'être un peu subtil, mais ça parle toujours de ça, en fait. J'essaie d'être subtil parce que, comme je vous dis, c'est de faire un pont. Donc si jamais je chante des choses, par exemple des textes comme les chants de l'Emmanuel, etc., c'est... Puis c'est pas vous. En plus, déjà, c'est pas moi, mais je veux dire par là que si je suis trop explicite, ça fera plus un pont avec le monde qui, lui, est sans Dieu. Par contre, je sais que le monde qui est sans Dieu, enfin, c'est-à-dire tous les gens dans l'athéisme, etc., tous mes amis, ils sont sans Dieu, mais ils souffrent. En fait, par leur soif, ils témoignent de l'importance de Dieu dans leur vie. Ils ont juste cette impossibilité pour l'instant à comprendre que c'est ce qui guérirait leur plaie. Et du coup, je parle un peu de ces guérisons de plaie, par exemple. Et puis qui disent « Ah !» et ça leur parle. En tout cas, c'est ce que j'espère faire. Et qu'à un moment donné, ils disent « Mais quel est ce remède dont tu ne dis pas forcément le mot de manière trop explicite ?»
Et après, on en parle. Vous racontez, vous, comment ça a pu vous guérir aussi sur certaines plaies ? Disons que ça a tout tellement... Ça a transcendé toutes mes actions. Ça m'a guéri sur... déjà, une espèce de sécurité intérieure incroyable. Tout à coup, on dort comme un bébé. Tout à coup, je suis aussi débarrassé de cette pression. Quand on est surtout dans ce métier-là, il y a une pression presque religieuse. C'est-à-dire, quand je dis religieuse, c'est tout puissant qui vous dit « il faut marcher oui. ». Et quand on lit saint Paul qui nous dit « ne cherchez pas la gloire aux yeux des hommes », ah ouais, alors là, on se dit « mais c'est... comment on fait ? Qu'est-ce que c'est que ça ?» Et quand on arrive à comprendre ça et vraiment à l'appliquer, alors je ne dis pas que je l'applique parfaitement, je suis encore, encore contaminé par cet attrait de cette séduction de la gloire, etc., oui. aux yeux des hommes. Mais je pense que je m'en suis presque complètement guéri. Et en tout cas, je sais qu'il faut s'en guérir. Je pense que c'est tout ce que Dieu nous demande, hein, c'est qu'on a juste notre volonté en fonction de la sienne. Après, qu'on y arrive ou pas, ça, c'est sa miséricorde qui fait le travail. Hein. Mais qu'au moins, on le veuille. Eh bien, moi, ça m'a guéri de ça. Et c'est terrible, hein, parce que ce monde qui nous dit « Ah, ben, je te fais rencontrer quelqu'un, je te fais rencontrer un tel, enfin, qui... » C'est d'une force, c'est un rouleau compresseur pour l'âme. C'est vraiment, c'est terrible. Et même moi d'ailleurs, c'est difficile. De la lumière, du pouvoir, de la richesse. Des choses qui n'ont en fait aucune valeur, mais vraiment aucune valeur, et qui ont, par contre ont une force terrible. C'est-à-dire tout à coup, on est vraiment écrasé. Et après, en fait, il ne s'agit pas de le rejeter, il s'agit de laisser faire la providence. Elle fera ce qu'il faut. Nous faisons ce qu'on a à faire. Moi, je suis musicien, je sais que Dieu m'a fait, comme il fait au don du boulanger ou de je ne sais pas qui, il a fait le don de pratiquer son art ou sa capacité. Je fais la mienne, du mieux possible, tant que possible, à sa gloire. Et puis, et je sais qu'il demande aussi à ce que ce ne soit pas sous le boisseau, comme on dit, oui. la lumière, hein, il demande à ce que ce soit partagé. Voilà, j'essaie de faire ça dans cet état d'esprit autant que possible. Sans que ce soit un état d'esprit où je vais me retrouver à la télé. Puis de toute façon, la télé, plus ça avance, plus je la vois, plus je me dis genre... Mais là, si je suis là-dedans, je suis malheureux, quoi. Donc voilà, je veux toujours partager ma musique au maximum, mais dans cet état d'esprit nouveau, quoi, qui finalement nous mène quand même à partager, qui nous mène quand même à vouloir l'étendre, faire connaître, la mettre en lumière. Quoi. Petite question, le monde dans lequel on est a très peur de la mort. Je pense que certaines personnes courent justement après tout ce qui brille, les honneurs, le pouvoir et autres, pour ne pas penser à la mort et y échapper. Vous vivez ça comment ? La mort, moi j'espère bien. Moi je suis sur mon chemin de sanctification, je suis loin d'y arriver, très loin de l'arrivée. J'espère bien qu'on arrive à un stade où la mort soit vécue comme. Moi j'espère ça, que comme une joie, comme ça y est. Ça y est, je vais le rejoindre. Ça y est, je vais rejoindre mes proches. J'espère en arriver là. Peut-être que ça ne me sera pas donné. Peut-être qu'au moment où ça arrivera, j'aurai les chocottes et je me dirai oh, « Et si ce n'était pas vrai ?» J'en sais rien. Mais aujourd'hui, j'oriente ma volonté vers ça. Moi, j'espère que... Et aujourd'hui, voilà, j'ai encore 40 ans. Enfin, j'ai encore le temps de... Je peux encore ne pas me sentir trop proche de la mort pour m'en inquiéter. Oui, même si elle ne prévient pas trop. Alors après, voilà, on ne sait pas ni le jour ni l'heure. Ce sera peut-être en sortant de cette émission. Et c'est possible, hein, bien sûr, il faut le savoir. Mais bon, aujourd'hui, je ne suis pas angoissé de la mort, non. Je ne suis pas angoissé de la mort. J'espère réussir à l'être de moins en moins encore et même de l'accueillir avec joie. On arrive au moment où je vais vous demander de tirer successivement trois cartes et de répondre aux questions. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise ? Bah ça, en fait, on m'a déjà posé cette question, et il a fallu que je réfléchisse un petit peu. Et il me semble que j'aimerais, je voudrais pas ne serait-ce qu'imaginer ça. J'aime le Dieu qu'on verra, Jésus qu'on verra. J'aimerais que ce soit quelque chose qui ne soit pas possible à imaginer humainement. Si jamais c'était quelque chose, même que je trouvais, et que je trouvais une très très belle phrase à dire, et qu'il la disait, non. Un peu de déception. Oui, je pense que Dieu ne peut être que surprenant, il peut être qu'infiniment au-dessus de ce que je peux imaginer. Donc,
Voilà, après j'espère que voilà qu'il me fera miséricorde et qu'il m'accordera de rentrer au royaume. Quelle image vous faites-vous du paradis ? Bah, c'est un petit peu la même réponse. Hein, alors je me fais des images, en fait, que je le veuille ou non. On nous dit paradis, tout à coup, tac, il y a un beaucoup jardin qui naît, il y a de la musique, de la nature, nos proches, une infinité de demeures, quelque chose qui fait que... Mais tout ce que j'imagine, je le méprise d'avance par rapport à ce que sera la vision béatifique. Bon, j'espère que la troisième ne va pas porter. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» J'ajusterai mon conseil en fonction déjà de la personnalité de la personne. J'essaierai de discuter avec lui, hein, de lui dire pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu ne l'as pas encore rencontré, quels sont souvent je demande ça, qu'est-ce qui fait que Jésus tu ne l'as pas encore validé, qu'est-ce qui te gêne dans Jésus. C'est toujours marrant d'ailleurs parce qu'ils ne voient pas en fait. Sinon, je ne sais pas, quel conseil donneriez-vous, peut-être je proposerai en fonction de la personnalité, tel film ou telle lecture. J'ajusterai mon conseil en fonction de la personne, donc c'est difficile à dire comme ça. Jean-Gustave Thibon ou Une vie de Jeanne d'Arc ? Ça dépend, en fait, c'est une approche. Moi, voilà, Gustave Thibon, c'est parce que c'était des lectures un peu philosophiques et tout, et que je trouvais magnifiques. Proposées aussi par ma grand-mère, qui venait de ma grand-mère. Mm-hmm. Je propose vraiment aux grands-parents d'aller checker si leurs petits-fils sont peut-être ouverts à quelque chose. Une génération pour aller voir la soif en dessous. Qu'ils essayent au moins, qu'ils seraient peut-être surpris, on ne sait jamais. Peut-être que leurs enfants, c'était plus difficile, parce que c'était une époque qui était comme ça, mais leurs petits-enfants qui checkent au cas où. Gustave Thibon a été magnifique pour moi pour parler de cette beauté de la philosophie catholique, la philosophie chrétienne, ce qu'on pouvait, en étant fidèle à l'Évangile, tout ce qu'on pouvait en conclure philosophiquement. Et au bout d'un moment, on se dit, une personne qui dit ces choses-là ne peut pas mentir. Et donc, lorsqu'elle dit qu'elle est Dieu, on ne peut pas avoir affaire à ce qu'on appelle un mytho ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est si beau que ça devient parfaitement crédible et du coup, on valide le tout. Merci Yann, merci d'être venu nous présenter une de vos compositions un petit peu anciennes, mais qui a beaucoup de valeur aujourd'hui encore pour vous. Merci de nous avoir partagé ce témoignage puissant, simple, touchant, qui donne envie, j'espère, à beaucoup d'entre nous d'aller voir un petit peu plus loin. Merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à retrouver ce programme sur notre site www.kto.tv.com et surtout à le partager autour de vous. Bonne soirée, à la semaine prochaine.